Alors, médiation familiale. Alors, le service de médiation familiale est un service de la sauvegarde de l'enfance qui travaille en partenariat avec l'UDAF. Et la finalité de la médiation familiale, c'est essentiellement la prévention des ruptures familiales. La prévention, je disais des ruptures familiales et de renouer le dialogue dans les situations où les parents ou les adultes sont dans l'incapacité de pouvoir se parler. Et elle sert de tiers avec l'objectif in fine qu'un des enfants, que les enfants ne soient pas coupés d'un de leurs parents ou qu'il n'y ait pas de rupture familiale de manière un peu générale. C'est toujours une démarche volontaire des familles. C'est toujours une démarche volontaire des familles. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, votre réunion sur Jussey, c'est peut-être pour amorcer la pompe d'une, disons, d'une, d'un point, d'une présence sur Jussey, sur le nord-ouest de la Haute-Saône? Oui, tout à fait. On a commencé par ouvrir sur le département, puisqu'on avait déjà une permanence sur l'Eure et le siège est à Vesoul. On a ouvert à Grès avec une permanence sur la présence de Madame Magnien sur l'antenne de Grès dans les locaux de l'UDAF. Et dans un service et un souci de proximité, on est venu sur le secteur de Jussey, puisqu'il n'y avait pas grand-chose dans ce domaine-là sur le secteur de Jussey. Donc la réunion d'aujourd'hui, elle a pour but d'informer les partenaires sur ce que c'est la médiation familiale et comment ils peuvent avoir affaire à nous ou recours à nous. D'accord. Et Monsieur Kuhn, si j'ai bien compris, il est là pour vous épauler au niveau de l'UDAF, quoi. Voilà, donc cette médiation fonctionne en partenariat avec l'Union des associations familiales de Haute-Saône, notamment par la mise à disposition de Madame Magnien, et notamment par l'utilisation de nos locaux sur Grès. Donc, forcément, hein, la médiation familiale est forcément associée aux familles de Haute-Saône qui en ont bien besoin, puisque c'est une activité en très forte augmentation, hein, d'autant plus par la situation économique actuelle qui engendre des crises, forcément. Ok, mais on espère qu'aujourd'hui vous aurez pas mal de familles jusséennes. Voilà, merci.